Visualisation de plusieurs photos de l'iPad Pro avec des icônes grossies. La loupe, c'est parti pour la démo. Bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles fonctionnalités d'iOS 10, encore une fois, sur un iPad Pro. Et si vous connaissez éventuellement des grands-parents, par exemple, des personnes ayant peut-être des difficultés à voir des petites choses, ou si vous voulez vous-même regarder des notices, documents très spécifiques, on a une fonctionnalité dans iOS 10 qui est la loupe et qui nous permet de faire du grossissement avec une différence de couleur. Ça veut dire que on va transformer notre iPad. Alors ici, on est sur un iPad Pro, mais il faut savoir que on va pouvoir faire ceci sur n'importe quel iPad à partir de l'iPad Air, R1, R2, voire même l'iPad Mini. Voilà, donc tout simplement, il va falloir se rendre dans Réglages, dans Général, Accessibilité et cocher Loupe. Une fois cette option cochée, vous allez voir, on va faire des découvertes sur des documents, par exemple sur des notices de médicaments qui à l'origine sont très petites, et vous allez voir le résultat. Alors surtout, pensez bien aux gens que vous pouvez côtoyer qui ont éventuellement des problèmes visuels ou pas d'ailleurs. Si vous voulez partager bien la vidéo, la solution, c'est de transformer notre iPad en vidéoloupe. On aura tout de suite. Alors, déjà avec Siri, on peut, si on le désire, inverser les couleurs de notre iPad. Alors on n'a pas besoin pour ça d'aller dans les réglages. On appuie tout simplement jusqu'à entendre la petite clochette et on va lui dire activer inverse couleur. Et voilà, je viens d'activer inverser les couleurs. Parfait, ici on a réussi notre première étape. Vous voyez donc ici les couleurs sont inversées. Réglages. On va aller dans réglages. Alors comme vous pouvez voir, au niveau de réglages, notre iPad est en inverse couleur. Ce qui est pas trop mal lorsqu'on a certaines pathologies visuelles. On va l'enlever, vous allez voir. Désactiver inverser couleur. Et voilà, je viens de désactiver inverser les couleurs. Deuxième étape, on vient de désactiver l'inverse couleur. Donc vous avez vu, on a des possibilités via la reconnaissance vocale de faire pas mal de choses. Ici, on va chercher accessibilité et on peut via un double tap avec trois doigts, vous allez voir, comme on a déjà vu ensemble sur la loupe, et ensuite chercher accessibilité. Accessibilité, bouton. Accessibilité, c'est parti, on l'a. On va donc l'activer. Double tap, un doigt. Sélectionner, réglage, vision. Ici dans l'accessibilité, je traiterai de plusieurs vidéos pour justement expliquer étape par étape comment on se sert de tout ce qui se trouve à l'intérieur d'accessibilité. Donc attention, il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de choses sur l'accessibilité, ça va être top. Ici donc on va aller sur le choix loupe pour aller l'activer. Donc parole, police plus grand, voice over, zoom, oui, loupe, non, bouton, loupe, non. Alors nous on va l'ouvrir, un double tap avec un doigt, sélectionne, réglage, loupe, désactivé, loupe, désactivé, activé, loupe, activé. On va écouter ce que ça va nous dire. La loupe vous permet d'utiliser l'appareil photo pour agrandir des éléments. Si elle est activée, appuyez trois fois sur le bouton principal pour agrandir. Donc par défaut, il nous le paramètre sur le bouton Home. Un triple tap sur le bouton Home et c'est parti, on a une loupe en action. Ça veut dire qu'on transforme notre iPad en vidéo loupe portative, très puissant. Et vous allez voir, donc le résultat, on va pouvoir faire du grossissement, de l'inverse de couleur. On va pouvoir faire de la prise de photo pour geler ce qu'on appelle ou figer le texte. Pour des personnes en difficulté visuelle malvoyantes, ça peut être superbe. Ou pour des personnes, des seniors qui ont du mal à lire leur journal et qui voudraient relire leur journal ou quelques notices qu'ils auraient sous la main. Donc attention, attention, ça va être vraiment génial parce que j'ai testé ça sur cet iPad et vraiment ça fonctionne super bien. Donc ok, on rentre dessus et on va aller tout de suite voir ensemble. Pour éviter les tremblements, j'ai trouvé un petit socle comme ceci ici qui permet de rendre amovible notre iPad. Je vous fais ici bouger le pied, vous voyez bien comment il bouge. Le pied dessous a des petits crampons pour bien adhérer aux surfaces. Donc le petit socle permet de mettre l'iPad en position horizontale. On va commencer par quelque chose de très difficile, une notice de médicaments.
Ah, nos fameuses notices de médicaments. Alors, elles sont très petites et pour nous, en tant que déficients visuels, toujours la galère pour lire ces choses-là. Donc, cette notice de médicaments, on va mettre notre iPad en position, lancer la loupe et vous allez voir ça. On positionne notre pied, je mets mon iPad en position, j'appuie, je déverrouille. Alors ici, j'appuie trois fois sur ce qu'on appelle le bouton home qui est ici, et vous allez voir le message qu'on va me délivrer. Raccourci d'accessibilité. Je vous le mets donc ici, en trigros, la boîte de dialogue. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est activer la loupe. Pour activer la loupe, on va faire sélectionner loupe, bouton, des pitchs avec un seul doigt, gauche, droite, et valider. Loupe, pop, loupe, agrandissement, X3, 0, ajustable. Nous voici également pour agrandir ou réduire. Avec toucher deux fois pour faire une mise au point, toucher trois fois pour revenir à une mise au point automatique. Balayer l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. Donc vous voyez, la loupe est complètement accessible à VoiceOver. Donc si vous avez en plus besoin d'une aide vocale, tout est accessible. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement désactiver VoiceOver et vous allez voir VoiceOver désactivé. Notre notice, comment elle nous apparaît. Alors je la mets tout simplement sous. Allez voir ici, je vais grossir. Alors je vous laisse déjà admirer le lissage de police ici. Vous allez voir ici comme on est très propre. Donc ici, regardez voir. Alors si je vous mets le zoom, donc là je suis en train de montrer le zoom de la notice de médicaments actuellement sous l'appareil. Alors tout simplement, on va zoomer ou dézoomer en pinçant l'écran. Donc j'agrandis le texte, regardez la qualité du lissage de police, c'est vraiment magnifique. On a ici différents réglages, je vous fais montrer en très gros. Sous la loupe, différents réglages pour passer en mode inversé, rouge, bleu, vous allez voir. Le bouton ici complètement en bas à droite qui va nous donner d'autres réglages. Grâce à ces réglages, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, si je fais glisser un doigt, regardez-moi ça. Des possibilités par un simple geste d'avoir de la colorisation dans notre page, très fluide. On a une possibilité par le biais du bouton de la prise de photo ici, une fois la photo prise, de grossir notre texte et de pouvoir circuler gentiment dans notre texte, en très gros. C'est vraiment parfait en termes de lissage de police. Très gros. Regardez ça, la grandeur. J'enlève la notice et j'ai toujours ma notice à l'écran. Où je peux, puisque j'ai fait une prise de photo et je peux circuler dedans sans aucun problème. Regardez-moi cette grosseur de caractère. Alors, j'avais envie de vous faire une petite surprise. Je voulais vous montrer la rapidité, comment rendre votre iPad ultra rapide et le mettre en position scanner. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez et si vous avez deviné quel logiciel a numérisé aussi vite et nous lit aussi rapidement cette notice.
Donc c'est parti, j'appuie simplement, regardez mon doigt, sur l'écran de l'iPad. Ibuprofène Milan, articulation, entraînement de courte durée de certaines inflammations du pour. Dans cette notice, à qu'est-ce quoi Ibuprofène Milan 400 mg? Avant de prendre Ibuprofène Milan 400 mg, comment prendre Ibuprofène Milan? Comment conserver Ibuprofène Milan 400 mg? Comprime. Ibuprofène Milan IIR, veuillez tirer attentivement et intégralement de cette notice avant de prendre ce médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la retirer. Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien. Ce médicament vous sera personnellement prescrit. Et donc maintenant, avec un bouquin quelconque acheté en librairie, vous allez donc voir le rendu de la lecture de cette page. Publie reportage Wimin, @KWFL, déconstruction pour la haut. Une entreprise expérimentée riche d'une expérience bois de plus de 60 ans. Dans la conception et réalisation de bâtiments bois et l'utilisation du bois dans la construction, de la structure aux finitions, la construction de pavillons aussi bien traditionnels, une équipe disponible. Voilà donc cette vidéo est terminée pour iOS 10 et la nouvelle application sur la loupe. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de l'OCR et dites-moi si vous avez deviné quel OCR j'ai mis en action sur cet iPad. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut !